N'ap saluye tout moun kap gade video sa. N'ap fel tre kout. Video sa son video ke nou prepare pou gran moun ki genye plus ke 65 an, de 75 ans ou plus, ki ta vle al pase test pou yo vini citizen Ameriken. Nou konen gen an pil la gran moun nou yo, petet pa fote, zye yo pa bon, yo pa ou bien memwa yo. Yo difisil pou yo apren test pou yal pase citizenship la, petèt pafwa se yon ti benefis an plus ke yo ka jwen pa bo isi, donk sa vin kre yon problem pou yo. Men, imigrasyon gen yon lwa, biye petèt an pil nan nou pa konen, e depi moun nan gen 20 an avek green card li nan meni, ou bien moun nan genyen 65 an, se de bagay sa yo ki man yo mande. De bagay sa yo, yo pa negosil. Fok moun nan gen 20 an avek green card la nan meni, fok li gen 65 an ou bien plus. Si il depase 65 an ou bien plus, yo pa pose l 100 kesyon. Yo pa bal 100 kesyon pou l'etudye. Yo bal 20 kesyon seulement. Men, avek ed an Gemini, an Multi Services, avek ed HAUC, Asian American United for Change, avec aide Spotless Made Cleaning Services, nous arrivons traduit 20 questions ça yo en créole à toute réponse pour grand monde yo. Nous traduit en créole et nous pas le faire voix vidéo à tout. N'a les questions et n'a répondre questions en façon yo même si yo pas ka lili pour yo tant des questions peut-être yo ka mémoriser. Son façon pour nous aider yo, pour yo faire test citizen. Parce que plus nan nou haïtien qui vin Amérique pa bo ici, c'est plus pouvoir de vote nous augmenter, c'est plus nous ka faire demande. Parce que nous connaît politiciens pa bo ici, c'est contrôler tout bagay. Depuis nous gen plus moun ki ka voter en âge de voter. Et nous connaît que et nous-mêmes nous ka faire demande. Donc nous pourrons commencer. Avant de commencer, nous gagnons et on fonde by Spotless Made Cleaning Services Respelli. Et nous avons bah, une vidéo que nous avons joué pour vous avant de commencer. Tournez, nous tournons directement dans 20 questions yo, pour nous avancer. OK? Nous allons by Spotless Made Cleaning Services Respelli. With the outburst of the novel coronavirus, it is more important than ever to keep our homes and workplaces clean. However, we at Spotless Made Cleaning Service understand how busy your daily schedules are. We understand the little free time that you do get does not have to be spent on cleaning your house. Therefore, we have got your back while you spend your time doing something worthwhile. Our services centered in Long Island, New York, Suffolk, and Nassau are perfect for both residential and commercial areas. From room to your mansions, from condos to restaurants, we've got you covered on almost any surface. You can set up your own cleaning plan by heading on over to our website, www.spotlessmadecleaningservice.com, and signing up in just 60 seconds so that we can work while you sit back and unwind. N'a pour remercier ou pour patience ou et le fait que ou t'es prêt pour t'étendre nous pour question yo. N'a pas directement la question yo. Et avant d'entrer, c'est pour me dire non, Spotless Made Cleaning Services, c'est un service ou même qui besoin clean caillou ou besoin de monde qui pour clean caillou pour ou. Et ça, Spotless Service, ça vaut un monde vient la caillou, vient faire ça pour ou. Ben, bien entendu, pour une fille, pas gratis. Il y a clean. Wara depi pa ma de kobe cham ou gen, sou gen biznis ou bezwen moun, ou bezwen kompanyen ki pou clean biznis ou pou ou, ka toujou rele Spotless Made Cleaning Services ki pou edo. Donk nou pal kontre direktouman nan kesyon yo, e servis sa ou menm sou nan Brooklyn, ou ka toujou ale nan 5124 Avenue N, Brooklyn, Brooklyn, New York. Numero telefon e Brooklyn nan se 718 618 0458. Ou carré et Gemini en multiple services et ou carré l'autre bois directement et ou carré un service que n'a parlé ou là. Ou avez un Spotless Made Cleaning Services capé dans Brooklyn, ou avez un Long Island et ou avez un partout côté que ou besoin. Donc, et nous pourrons entrer directement dans la question pour question citizen pour
grand monde nous. Première question que nous gagnons, c'est qui gens y aurait le système économique pays États-Unis. Système pays États-Unis y aurait le capitaliste économie ou bien market économie. C'est capitaliste économie ou bien market économie. C'est comme ça y aurait le système économie pays les États-Unis. Deuxième question. Qui ça qui c'est un droit on soit liberté dans premier amendement constitution. N'a répété question encore. Qui ça qui c'est un droit ou bien on liberté dans premier amendement constitution. N'a dit la parole. Réponse là c'est la parole. Il y a plusieurs autres mais sont seuls là yo mandé. Nous mettez un seul là en façon même pour pas confuse. N'a dit la parole. Troisième question. Nommé une branche qui fait partie dans gouvernement États-Unis. Yo mande pour citer non ou une branche qui fait partie les États-Unis. Il y a plusieurs, mais c'est comme c'est une seule là yo mande nous, c'est président. N'a kembe ça pour dire président pour ne pas confuse. Quatrième question. Qui jan yo rele des groupes qui forment congrès dans pays États-Unis? Qui jan yo rele deux groupes qui forment congrès dans pays États-Unis. Nom de groupe ça yo, premier c'est Sénat, deuxième nan c'est Chambre représentant yo. Premier c'est Sénat, deuxième nan c'est Chambre représentant yo. Cinquième question. Citez nom youn sénateur américain qui nan New York là. Question ça li fait pour New York là, mais si ou non l'autre state ou l'on l'autre côté, par exemple sur Florida, ou ka chercher pour connait qui laisse qui yon nan sénateur, state sénateur. Et pour New York, pour moun ka vive New York, c'est Chuck Schumer. Et question ça et mettez-le pour New York parce que moi connais New York m'a vive, ou même ka vive l'autre côté, ou gen droit chercher pour connait qui laisse. Et après ça toute l'autre question est presque même bagaille là. N'a pas entré dans sixième question. Sixième question, hein, c'est dans qui mois nous voter pour président aux États-Unis. Dans qui mois nous voter pour président. C'est mois novembre. Septième question, hein, qui président États-Unis Kounia. Qui non président États-Unis Kounia là. Noni c'est Joseph R. Biden. Non président États-Unis nan moment n'a vivre la kounia la, c'est Joseph R. Biden. Huitième question. Qui côté qui capitale New York? Yo mande nous non capitale New York. Faut nous bien préciser, ça c'est pas capitale États-Unis, non, ça est capitale New York. Capitale New York c'est Albany. Vous entendez? Capitale New York c'est Albany. Qui de gros parti politique yo aux États-Unis? Yo mande nou non de gros parti politique aux États-Unis. Non yo c'est démocratique ak républicain. C'est démocrate ak républicain. Dixième question. Qui ça qui c'est youn nan responsabilité yon citoyen États-Unis genyen? Yo mande nou qui ça responsabilité qui ça qui youn nan responsabilité États-Unis gen plusieurs responsabilités mais comme c'est youn yo mande nou n'a dit voter nan élection fédérale c'est youn yo mande nou y a dit voter nan élection fédérale. Onzième question, à quel âge un citoyen américain ka voter? Yo mande nou à quel âge un citoyen yo gen droit pour yo voter pour président. Onzième question encore, à quel âge citoyen yo gagne droit pour yo voter pour président? À 18 ans ou bien plus grand. Faut que moun nan gen 18 ans ou bien plus pour le ka voter. Douzième question. Qui dernier jour ou ka voye form tax ou bay revenu fédéral? Qui dernier jour ou ka fil taxou aux États-Unis? Réponse là, c'est 15 avril. Dernier jour pour fil taxou aux États-Unis, c'est 15 avril. 13e question.
qui est qui était premier président aux États-Unis? Yo mande nou non premier président États-Unis. Non ni c'est George Washington. 14e question. Qui ça qui était une bagaille important Abraham Lincoln t'a fait? 14e question, on a répété. Qui ça qui était une bagaille important Abraham Lincoln t'a fait? Il t'a libéré esclave. Yo mande nou un seul là. Qui ça qui te youn nan bagay important Abraham Lincoln te fait? Li te libéré esclave yo. Donc on doit dire émancipation proclamation. C'est li te libéré esclave yo, émancipation proclamation. Question 15. Nomme youn nan la guerre États-Unis te goumen nan année 1900 yo. Question 1, pour nous bay non, youn nan guerre les États-Unis te participé kel te goumen la dan. Réponse là, c'est première guerre mondiale. Gen plusieurs autres guerres encore, mais son seul la yo mande. N'ap di première guerre mondiale. 16e question. Qui ça Martin Luther King Jr. t'a fait? 16e question, on a répété question. Qui ça Martin Luther King Jr. t'a fait? Il t'a goumen pour droit civil. Il t'a travaillé pour égalité pour tout Américain. Il t'a goumen pour droit civil et il t'a travaillé pour égalité pour tout Américain. 17e question. Qui capitale États-Unis? Nous songeons te préciser dans capitale New York là, ça c'est capitale États-Unis pour ne pas confuser. Capitale États-Unis c'est Washington DC. Capitale États-Unis c'est Washington DC. Numéro 18. Côté statue Liberté aïe. Côté statue Liberté aïe. Nous devons dire New York Harbor. Côté Statue Liberté aïa, c'est yore leli New York Harbor. Pour qui ça drapeau a gen 50 étoiles? Drapeau a gen 50 étoiles parce que chaque étoile yo représente yon state. Drapeau a gen 50 étoiles parce que chaque étoile yo représente yon état. 20e question. Qui jour nous célébrer indépendance aux États-Unis? Qui jour nous célébrer indépendance aux États-Unis? Joua, c'est 4 juillet. C'est chaque 4 juillet nous célébrer indépendance aux États-Unis. C'est 20 questions ça yo. Si un monde ou bien 20 ans avec green card ou nan men ou bien 65 ans ou bien plus, ou gen doit fil papier citizen nan, ou voye aller ou commencer préparer réponse 20 questions sa yo. C'est dans 20 questions sa yo pou al poser nou questions pour nous répondre. Les fini pour nous passer test là, après ça pour nous prêter serment pour nous vinn un citoyen américain. N'ap entrer encore pour nous jour et service ça ou venir nan Long Island Nassau and Suffolk et nan Nassau and Suffolk numéro ko karele et numéro am bral mete sou écran pour nous côté que n'ap joine côté que nous karele pour Nassau and Suffolk. Pour Nassau and Suffolk men numéro là c'est 631 984 0485. Raison que fait nous ba ou numéro ça, si ou même qui ta reme aide nous même pour nedo et pour fil papier citizen nan, ou t'as besoin aide pour faire l'autre bagay qui gagne avec travail civique, nous là pour aider ou faire travail ça. Ou carrelez nous dans 631 984 0485. Ça, c'est pour moun qui rete dans Long Island, Suffolk ou bien Nassau. Mais,
Si ou nan Brooklyn nan, ou ta besoin jwenn service sa, nou ka rele nan 718-618-0458. Ou ka rele 718-618-0458. Adresse la, c'est 5124 Avenue N qui nan Brooklyn nan. Adresse la, c'est 5124 Avenue N qui nan Brooklyn nan. M'ap mete numéro sa pou nou tout, nou même qui nan Brooklyn nan, nou ka rele 718-618-0458. Si ou pa nan Brooklyn nan, c'est nan Long Island nan ye, ou ka rele 631-984-0485. Nou ka bo ki jan nou ka ede ou. Et pou nou retounen, nou oblige fermen ansanm avèk Spotless Made Cleaning Services. Se yon servis kote ke sou bezwen lakay ou bezwen moun ki pou netwaye lakay ou pou ou bezwen clean la randan lakay ou, nap voye moun al fè sa pou son kompany ki gen anpil bè bon reputasyon, ki bay bon servis et qui supporter communauté haïtienne en nous-mêmes qui dans communauté a supporter le tout au lieu que nous relayons l'autre compagnie en relais Spotless parce que les supporter c'est grâce à eux-mêmes qui fait que nous ca faire vidéo ça donc en nous font entendre encore. With the outburst of the novel coronavirus, it is more important than ever to keep our homes and workplaces clean. However, we at Spotless Made Cleaning Service understand how busy your daily schedules are. We understand the little free time that you do get does not have to be spent on cleaning your house. Therefore, we've got your back while you spend your time doing something worthwhile. Our services centered in Long Island, New York, Suffolk, and Nassau are perfect for both residential and commercial areas. From room to your mansions, from condos to restaurants, we've got you covered on almost any surface. You can set up your own cleaning plan by heading on over to our website, www.spotlessmadecleaningservice.com, and signing up in just 60 seconds so that we can work while you sit back and unwind. Bon, nous retournons et c'est là que nous avons que ou même qui dans Brooklyn, ou bien doit aller dans 5124 Avenue N, dans Brooklyn. Nan. Côté que ou aller dans Gemini Multiple Services qui ka bon tout service que ou nous mande yo là et sous besoin copie de question yo qui en créole n'a faut joindre ni tout pas oublier numéro c'est 718-618-0458 pour nous même qui dans Brooklyn pour nous même qui dans Nassau avec Suffolk dans Long Island nan. Numéro c'est 631-984-0485. N'a pas campé là et n'a pas essayé de ka chaque 15 jours pour nous venir avec l'autre question pour moun qui t'a besoin citizen mais qui pas grand moun qui pas gain l'âge 65 ans. Vidéo ça c'est pour grand moun qui gain 65 ans ou plus qui gain 20 ans avec green card yo nan men yo. Donc gain un spécial et considération immigration fait pour yo c'est 20 questions ça yo dans 20 questions ça yo yo va le poser aux questions c'est 20 questions ça seulement yo gain pour étudier et yo gain choix pour yo prendre dans langue yo vle si yo parle créole yo ka mandé pour yo prendre dans créole et c'est raison ça HAUC Haitian American United for Change mette ensemble avec Gemini Multiple Services at Spotless Made Cleaning Services pour porter vidéo ça à nous. Merci en pile. Pas oublier contactez-nous. À la prochaine.